Appuie. François-Louis Blanc, comment ça va, vous? Très très bien, très heureux d'être avec vous. Eh bien, heureux de m'évader. Heureux de vous recevoir, nous allons voyager dans les Andes ensemble. La voix du Condor, c'est le titre du bouquin que vous avez écrit. Thierry Keibo, c'est vrai qu'il est très élégant. Sidali, vous avez... Non, vous restez. Tu files dans ta chambre maintenant. François-Louis Blanc est avec nous. Auteur du livre Andes, la voix du Condor, c'est paru chez l'Harmattan. C'est un récit de voyage, le vôtre. Chez les Indiens de l'Altiplano, on peut dire une espèce de voyage initiatique. Oui, absolument. C'est le fruit d'une expérience, ou même d'une passion, je devrais dire, de 20 ans avec les Andes, que j'ai découvert lors de voyages, parce que j'étais expert en maladies infectieuses. Et il y a 20 ans, donc, j'ai eu envie de revenir dans ce pays. J'ai pu le faire grâce à des missions avec l'OMS, ou aussi avec le ministère de la Santé, et avec une école de médecine, qui s'est fondée il y a 20 ans, et j'ai participé à cette fondation. Mais dans ce livre, vous partez à la recherche d'une plante, la ayahuasca, pour en extraire un médicament miracle. C'est véridique, ça? Vous cherchiez la ayahuasca? Ça, c'est comme les chakra coco tout à l'heure. Maintenant, c'est l'ayahuasca, on a du mal. Ça, c'est la version romancée de l'histoire, mais c'est vrai que j'ai eu une recherche des plantes médicinales, puisque dans notre travail, on sortait dans les communautés andines avec une équipe qui comprenait des botanistes, des agronomes, des médecins bien sûr, et on avait une connaissance indirecte, un peu comme les voyages des naturalistes Humboldt ou bien Koch-Grünberg dont je parle, une découverte globale de ce monde, de cet univers. Et l'ayahuasca, bien sûr, j'en ai parlé parce que j'ai eu une expérience avec cette plante, avec des chamans en Amazonie, dans l'Amazonie péruvienne, à Tarapoto. Et c'est une liane qui est utilisée à des fins purement divinatoires, pas du tout comme drogue, mais c'est aussi un puissant hallucinogène, c'est vrai. Pendant toutes ces années, François-Louis Blanc, plus de 15 ans, pendant lesquelles vous avez travaillé et vécu en Amérique latine, qu'est-ce que vous avez appris auprès des Indiens? Il y a une toute autre conception de la vie, du monde, des vertus d'ailleurs qui sont communes à tous les peuples amérindiens de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud. Je dirais tout d'abord une grande communauté et communion avec la nature. L'homme est une parcelle de la nature et non pas que le centre de la terre, ou comme le dit notre culture judéo-chrétienne. Il y a également une grande solidarité parce que ces populations, surtout dans les Andes, vivent au milieu de cataclysmes, de conditions naturelles extrêmement difficiles. Donc l'individu ne peut pas survivre dans de telles conditions. Il faut vivre en communauté, donc une autre valeur qui est importante. Et aussi, je dirais sans doute, une certaine spiritualité, ce qu'un ami péruvien a défini comme le cosmocentrisme, c'est-à-dire que l'homme est une parcelle de nature opposée à notre culture occidentale, où l'homme est le centre du monde, l'homme est un conquérant du monde, et c'est une philosophie que l'on voit battue en brèche aujourd'hui, même dangereuse. Donc c'est sûrement des cultures qui sont un antidote nécessaire à notre civilisation occidentale. La cordillère des Andes, c'est une chaîne montagneuse gigantesque. Regardez ça sur une carte, on vous l'a marqué, voilà, là, sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, 8000 km de long. Elle longe en fait toute la côte pacifique, elle traverse le Chili, la Colombie, le Pérou, Venezuela, Bolivie, Équateur. Et donc c'est ce que vous disiez il y a un instant, tous les peuples qui vivent dans cette cordillère, oui, au-delà des frontières, partagent des valeurs en commun. Absolument, il y a une communauté d'esprit. Je peux vous donner un exemple, les Sioux ou les Navajos ont une cérémonie qui les met en harmonie avec l'univers à chaque hiver, ça s'appelle marcher dans la beauté. Il y a une autre métaphore qui est très belle qui s'appelle Awankai chez les Incas. Awankai, c'est le vol du condor qui est suspendu dans l'air au-dessus de la vallée et qui regarde dans la vallée, et c'est presque une attitude philosophique puisque ça représente un certain recul, une distance par rapport à sa propre existence, et on en a bien souvent besoin. Andes, la voix du Condor, le bouquin est signé François-Louis Blanc et il est paru chez l'Harmattan. Merci beaucoup, Dany. Merci, messieurs. À la prochaine. C'était Détour du Monde. On vous en prévoit d'autres, des détours, pour les prochaines. Voilà, il y a des jours, je ne sais pas comment finir. Et bien là, par exemple, je ne sais pas. Au revoir.